super petit village des Cinque Terre. J'ai pu faire le mouillage ici il y a une heure, dans des conditions mais exécrables. Et une heure après, grand beau soleil, nickel. Je vais chercher mes invités au petit village de Vernazza pour les ramener sur le bateau. Alors c'est la première fois que je sors l'annexe. Et puis du coup, je vais voir si je sais ramer. Je vais pas forcément très droit, mais c'est cool. Voilà, c'est officiellement les premiers passagers sur l'annexe. Bonjour ma soeur, salut Louis. Salut mon frère. Et à tout à l'heure. Ciao. J'ai bien fait de venir chercher Louis, comme ça j'ai pas besoin de ramer. C'est Louis qui s'occupe de ramer. Regarde derrière, Louis, t'as un bateau. Les premiers membres de la famille qui sont à bord du Lady Eva, ma sœur, et puis Louis, mon neveu. Bienvenue à bord. Une grande joie d'être là avec mon beauf préféré. Je suis bien content d'aller sur le bateau de tonton. Et là, on est sur un petit bateau pour y arriver. Et puis j'ai failli tomber en dans l'eau. Wouhou! Yep! Yeah, man! Salut les amis! Salut les amis! À Françoise! Pas mal de gens à bord, toute la famille Créta, dans la joie et la bonne humeur! Alors on a passé une bonne nuit, là maintenant je repars. Ils annoncent du vent, normalement dans ma direction, donc on verra si je peux ouvrir les voiles. On est le 24 juin, fin de journée. J'ai pu naviguer à la voile, mais j'ai quand même gardé le moteur en accessoire histoire de pouvoir avancer. Avec le gros coup de vent que j'ai pris hier, si j'avais eu les voiles en haut, les deux voiles en haut, seul, t'as intérêt à savoir ce que tu fais. Et vu que je ne sais pas encore ce que je fais exactement, je préfère aller step by step, par étape. Et c'est pas grave si je suis pas tout le temps à la voile maintenant, parce que là, faut pas oublier que ça fait 10 jours que je fais de la voile. Hein. Donc, je vais aller dormir parce que je suis lessivé sec. Mais c'est une bonne chose parce que voilà, ça veut dire que j'ai passé une bonne journée. Bonjour. Wow, la petite voix du matin. Bonjour, il est 3h du matin, je suis obligé de me lever parce que il y a un mètre de houle. J'ai des voiles avec moi, des voiles en réserve avec moi, et le bateau il bouge tellement que je me prends les voiles sur la tronche chaque 3 minutes, donc ça me réveille. C'est Bagdad dans le bateau, tout ce qui était quelque part et non sécurisé, ben c'est par terre, et puis un verre pété. Alors ça bouge un petit peu, hein, mais bienvenue dans mon bureau. Juste avec la petite voile, là, j'avance à 4 km/h, 2,2 nœuds. C'est cool, je m'amuse comme un petit fou. J'ai bien avancé, je suis un petit peu plus loin que Rome, environ 100 km plus loin que Rome. Le bateau est au mouillage pour la soirée, je contrôle l'angle. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière, car nous sommes dimanche 27 juin. Et le 27 juin 1976, venait au monde un petit bonhomme qui s'appelle Xavier Rosset. Et du coup, 45 ans plus tard, je me devais de célébrer ce moment incroyable. Merci beaucoup, maman et papa, d'avoir mis au monde ce petit bonhomme qui est devenu grand et qui essaye de faire de son mieux pour vivre de belles aventures et de profiter de sa vie au maximum. Woup woup ! Santé !